Eh bien, salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série sur LEGO Batman 3 DC Super Heroes. Et comme mercredi dernier, eh bien, nous allons aujourd'hui faire un niveau sur le DLC du Season Pass, n'est-ce pas? Donc rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions fait l'homme d'acier. Eh bien, dans cet épisode-là, nous ferons le 75e anniversaire de Batou. Eh bien, c'est parti en histoire, et oui, je suis sûr. Oui, j'étais en train de discuter avec Monsieur J de la pluie, du beau temps et d'ogives nucléaires. On n'enquiquinait personne. Quand soudain, on a entendu parler de la grande fête de Batnaz. Alors, je lui dis, hey, mon choupinou, tu ne m'as pas dit qu'on allait à une fête? Et là, il me répond qu'on n'est pas invité. Mais quel manque de tact! C'est pas comme si Monsieur J et moi, on attendait une invitation, non? Mais ça aurait été sympa de demander, non? Bah... C'est triste. Sérieux, tous noirs. C'est une fête ou une veillée funèbre? Vous savez à quoi je pense, Monsieur J? On devrait rendre cet endroit plus guiré. Au boulot, mon poussin! On va montrer à Bat-Cervelle ce que c'est qu'une vraie fête! Exactement, Cocotte! Alors là, on va devoir tout péter, on va en même temps faire montrer ce que c'est qu'une fête, on est d'accord, il n'y a que nous, enfin, il y a le Joker et Harley, donc forcément, ça va pas aller bien loin. Donc 2 sur 5, 3 sur 5, le gâteau, on le fait péter? Non, d'accord. Peut-être après. 4 sur 5, et la dernière table, 5 sur 5, ouh, j'ai débloqué un mini-kit! Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire ici? Ou nos poignets. D'accord, ça l'a éteint ou ça l'a allumé? Je crois que ça l'a éteint. D'accord, donc... ah bah là, j'ai tout éteint, là, pour le coup. Là, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est pas grave. Oh, tiens, il y a des ballons. Sauf qu'on peut pas les... On peut pas y toucher aux ballons. C'est ballot, hein. C'est ballot. Ah, il y a un autre interrupteur ici, regardez. Yep, là. Voilà, tu te tais. Voilà. Donc, maintenant, ça, on l'a explosé. Par contre, les trucs en haut, ça c'est pas ça, quoi, qu'il faut faire, non? Parce que... Attendez, j'appuie plusieurs fois sur B, on va voir ça. D'accord. Faut casser tous les cadeaux, je pense. Surtout celui-là, voilà. Et y a-t-il des trucs à reconstituer? Oui, voilà, nickel. Ok, ça c'est bon. Je préfère ça. C'est beaucoup mieux, pas vrai? Ok, parfait. Donc on va faire pareil pour l'autre machin là. Pour ça, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Comment on fait? Ah d'accord. Comment on fait pour faire péter ce truc là? Il faut pas une poignée, un truc comme ça, non? Attendez, par contre ici là. Voilà, 2 sur 6, parfait. Oh, puis il y en a partout des trucs à faire là. Faut aller ici, aller ici. Voilà, ça c'est bon. Mais le souci c'est qu'on a le truc à... Ah mais non, mais c'est peut-être Harley qu'il faudrait que son super marteau de la mort qui pue là. Ou pas, d'accord, c'est pas grave. Je crois que c'est pas ça. Ici, non, ça c'est bon. La table, il y avait peut-être rien. Attendez, on va casser les autres tables, on sait jamais, on va tout casser comme ça. Au moins, il y aura plus de pièces qui nous embêteront. Ah, il y a peut-être des trucs à reconstituer ici, regardez. Voilà. Donc au moins j'ai bien fait les péter, ça sert à quelque chose. Ok, donc ça va être la piste de danse, je pense. Il manque plus que le DJ. Hey, j'ai un faible pour les hommes qui savent danser et personne ne danse mieux que mon petit poussin. Ah bah d'accord. Alors bleu, jaune. D'accord, alors bleu et jaune. Voilà. Ensuite, bleu, vert, jaune. Ok, alors ça peut être fastoche parce que si on se gourre. Alors attendez. Yeah, tac. Bleu. Eh merde. Bleu, vert, jaune. Oh, bon, au moins c'est bien, on recommence pas tout depuis le début. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre temps là s'il faut. Donc, bleu, voilà. On va faire le tour. Ça sera peut-être plus pratique. Vert. Et jaune. Voilà, c'est bon. Ensuite. Jaune, vert, violet et rouge. Merde, ah bah du coup, attendez. J'ai... Non, c'est pas là.
C'est pas là? Ça va être là alors. Ça marche pas ou quoi? Ah d'accord. Alors jaune, vert, violet et rouge. D'accord. Ça va, j'ai mon rosé. J'ai mon rosé donc. Bleu, jaune, vert. Nyeppak! Violet et rouge. Voilà, c'est bon. Voilà, nickel. Ah, dommage qu'on n'a pas Batou. C'est dommage. C'est fromage, même. Mais on n'a toujours pas réglé notre problème d'ici, en fait. Est-ce que lui, il peut avoir la tenue... Voilà, je pète tout. Voilà. Parce que du coup, on va faire péter ça, là. Voilà, merci, Coco. Gizézé. Un ventilo? Ah, mais il y a un mini-kit, maintenant, il y a... Oui, mais sauf que moi, ça arrange pas mes petites affaires, là, si? Ah, si, c'est bon. Tout ça pour un cadeau supplémentaire? Ah oui, mais il y a la poignée dessus, c'est pour ça. Autant pour moi. Donc, on va reprendre le Joker en version normale. Et maintenant, on va tirer sur la petite poignée. Donc, j'appuie plusieurs fois sur B. Ok, parfait. Donc, une fois que ça s'est fait, il faut tout dégommer. Ça ira peut-être plus vite si je prenais un autre costume pour dégommer, non? Vous pensez pas? Je sais pas. Bon. Donc, on va rassembler le projecteur. Voilà, parfait. Le sourire de Moby Kay est quand même plus glamour que cette vieille chauve-souris, non? Exactement, cocotte. Donc, maintenant, nous allons devoir monter à l'étage supérieur ou pas. Est-ce qu'il a le laser, lui? Il a pas l'air d'avoir le laser, non? Lumière, aimance, fer, appât, démolition, non, il a pas le laser, je crois. Hein. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire péter le truc, oui. Donc, va falloir que je reprenne la combinaison démolition. Parce qu'on va faire péter le fond, vous voyez, là. C'est en gris argenté. Et ça clignote. Enfin, ça brille, surtout. Donc, la bombe démolition, voilà, c'est parti. Donc, je sélectionne la porte et je tire. Vas-y, pète un coup pour voir. Ok, donc, maintenant, je crois que j'ai pas le bon personnage. C'est ballot, parce que là, du coup, il me faudrait quelqu'un pour démolir ça, et je crois que le Joker n'a pas... non, il l'a pas. Non, là, pour le coup, il a pas ça. Donc, c'est pas grave, on va monter un peu au-dessus pour voir. Qu'est-ce que l'on pourrait bien faire ici? Tiens, la poignée, là-haut. Voilà. Oh, tiens, une pièce violette. D'accord, j'ai fait tourner les immeubles. Alors, attendez. Aïe. D'accord. À quoi ça sert tout ça en fait? Attendez. Ah, j'ai sauvé Adam West. Pour une fois. D'habitude, je le sauve pas. Là, je l'ai sauvé parce que je sais pas, parce que j'ai pas fait exprès en fait. Mais il nous manque quand même un drapeau en fait. Ah, mais il est là. Parfait. Donc, on aura gagné un mini-kit. Si le Joker arrive à tirer dessus, forcément. Voilà, donc un mini-kit. Enfin, un deuxième mini-kit plutôt. Donc, qu'est-ce que je dois faire en fait là? La bagnole, on n'en fait rien du tout, d'accord. Là, ici, on aura des trucs à reconstituer, je pense. Ah oui, faudrait que je prenne la combinaison de démolition, encore une fois. Voilà, et là, je vais tirer sur la statue de Batou qu'on voit ici. Enfin, là, on la voit plus maintenant. Voilà, donc 2 sur 4. Ok. Tiens, on va essayer de dégommer ceci, voilà. 3 sur 4 et 4 sur 4. Ok, parfait, j'ai gagné un autre mini-kit. Ok, est-ce que j'ai des pièces à reconstituer? Non, parce que j'ai pas pété l'autre statue. Alors, attendez. On va reprendre la combinaison démolition. Démolition, voilà. Et maintenant, je vais donner... Enfin, lancer une bombe là-dessus. Voilà. Ok, parfait. Donc, on va reprendre le Joker. Est-ce que c'est bon ou pas? D'accord, je pense que je ne dois pas avoir tout encore, là. Hein. Aïe! Elle m'a cassé la tronche. Pousse-toi, toi. Tu peux. Mais qu'est-ce que... Ah non. Attendez, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle fait, en fait, ici? Il faut... Oui, voilà, on est d'accord. Il faut le Joker, donc. Toi, tu dégages. Maintenant, on va prendre le Joker. Voilà, maintenant, on va monter. Ok, mais une fois que je suis ici... D'accord. Fallait le savoir, ça, nom de Dieu. Donc, on va prendre l'énergie qu'il y a ici. Voilà, ça tout passe au vert, parfait. Et maintenant, on enclenche ceci. Ok, donc cela permettra déjà de faire avancer un peu le schmilblick. La chauve-souris n'a pas pu souffler ses bougies d'anniversaire. Oh, pauvre chou. Mais les pauvres. Donc,
Voilà. J'adore. Un mélange délicieux de gâteau de chaos. Exactement, Cocotte. Donc, maintenant, il va nous rester le même problème que tout à l'heure, autrement dit, celui-ci. Ok. Il m'a fallu du temps pour voir quand même qu'il y avait des éléments sur chaque côté de l'immeuble. Alors là, je suis deg pour le coup. Enfin bref, c'est pas grave. Donc déjà, nous allons faire descendre tout ceci. Voilà, donc ça c'est bon, on va le laisser comme ça tranquillou pour le moment. Ensuite, je vais faire tourner ceci aussi. Voilà, et après tout ceci, il va falloir le faire péter avec le Joker, évidemment. Voilà, et par contre, je vais essayer de récupérer le mini-kit. Voilà. Nickel, donc maintenant nous allons devoir faire péter tout ceci grâce à la combinaison démolition du Joker. Alors vas-y, tire là-dessus mon gars, et là-dessus. Voilà, parfait. Ok, maintenant nous avons tous nos éléments. Enfin je crois. Bah attendez. Oh merde, j'ai lâché une caisse, attendez. Voilà, parce qu'il y avait... Enfin j'ai lâché une sorte de nœud neuf qui allait exploser. Enfin bref, je vais rassembler tous ces éléments là que l'on ne voit pas se reconstituer. Ah d'accord, c'est tout autour de la bagnole en fait. Ah, c'est pour laver la voiture. Et ça va la repeindre en Joker, c'est ça? Ah, et là faut que je remette l'énergie que j'ai puisée tout à l'heure. D'accord. Bon, ça devient un petit peu plus limpide quand même comme niveau, parce que c'est vrai qu'au début je galérais un petit peu là pour le coup. Alors oui, non, c'est vrai, il y a pas besoin de oui, voilà, c'est ça. Donc maintenant, je tiens appuyé sur B. Voilà, et c'est parti, on va la repeindre la bagnole, tu vas voir. Que la Joker Mobile. Waouh, j'adore ton style, Monsieur J. Batman va péter un fusible. Tada! Je voudrais juste dire un truc. Il n'y aurait jamais eu de Joker sans Batman et je n'aurais pas connu mon canard en sucre. Joyeux anniversaire, Batou. Oh, oh, c'est facile de critiquer. Exactement, donc le 75e anniversaire de Batou, ça c'est bon. Par contre, il n'y a pas de musique. C'est frustrant. D'accord, donc par contre, je ne suis pas véritable héros parce que je suis à 91%. Donc, j'ai sauvé Adam West, en revanche, ça c'est cool. Donc, au niveau des mini-kits, j'en ai récupéré quelques-uns quand même. Un total de 5, si je ne m'abuse. Non, 4. Oh, ah, d'accord, autant pour moi. Bon, bah, j'en ai récolté 5. Donc, j'ai récupéré une brique dorée pour le niveau du René et une brique pour Adam West, personnage en danger. Et on retourne à la tour de surveillance. Et bien, c'est parti. Et bien voilà, donc nous sommes de retour à la tour de surveillance. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. On se retrouvera très prochainement pour un autre DLC du Season Pass. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine, salut tout le monde !